Passe à deux, passe à deux, passe, classique, un mouvement, top. On commence court, après on va long, ok, 4 minutes, on va se retirer pour 55 là, on prend 55, et les autres qui sont en réserve, vous allez faire le taureau de l'autre côté là-bas, au fond, en bleu, et puis on terminera par quelques accélérations, d'abord sur le plan tactique, l'offensive, avec le coach Cyril, les plans défensifs, on va essayer un peu de coulisser, travailler comme on l'a fait auparavant. Ok? Allez, 3 minutes, top! Occupez vraiment tout le terrain. Au deuxième tour. Changement de sens pour bleu. Marche avant, marche arrière. Allez, c'est parti. Deux, trois pas. Allez. Ok. Et on change, faut continuer, non, de changer de colonne comme tout à l'heure. Tu refais redoubler ta colonne, ok. Voilà, tu prends. Deux tours. Hein. Gardez bassin fixe, bassin moins, bassin il tourne pas. Tâte un peu le ballon devant. Ok, on est tiré. Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour. Vous êtes le manager de l'équipe AC Léopard. Vous avez accompagné l'équipe ici en Afrique du Sud. Oui. Comment votre séjour s'est passé ici? Pour l'instant, le stage de préparation se déroule très bien. Nous sommes arrivés le 13. On a effectué quelques entraînements, y compris deux matchs amicaux contre Orlando Pirates et United FC. Aujourd'hui, on rencontre Cas de Sift. Donc, pour l'instant, tout se déroule comme je l'avais souhaité. Parce que vos poulets, vos joueurs, se sont mariés bien avec le climat d'Afrique du Sud. Oui, oui, les joueurs sont bien acclimatés. Donc, c'est vrai que le soleil ici, l'après-midi, un peu, ça tape un peu. Mais on savait à quoi s'attendre. On avait pris quelques renseignements concernant le climat. Donc pour l'instant, tout se déroule à merveille. Tout se passe bien. Comment a fait ici votre séjour? Se passe bien? Le séjour se passe très bien. Nous sommes encore là pour une semaine. Donc on va continuer à travailler, surtout le coach et son staff.
Une fois vous dégagez, deux fois, trois fois, quatre fois, remarquez, le ballon nous revient toujours. Prenez le temps, développons notre jeu, les gars. Et si un gros, ça ne va pas en transit au milieu, on alerte l'autre côté. Non, le problème, c'est quoi? Il faudrait que ceux qui sont devant, qui viennent d'abord descendre, ils attaquent groupés dans l'axe. Par contre, tu contrôles. Ce qu'on a fait à un moment donné, on l'oblige à frapper. Là, après, ça va être, c'est un plan aussi. Mais il faut de, attends, te rappeler Romaric. Romaric doit être en sentinelle devant. Romaric, il est avec un joueur. Ils sont où les autres? Dis-moi, si Romaric devant vous, il s'est arrivé deux fois où ils sont éliminés comme ça. C'est des situations de jeu, ça. Ils font jusqu'à présent du très bon boulot, du très bon travail. Pour l'instant, je pense que les joueurs sont aussi satisfaits de jouer dans ce genre de stade. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est une chance pour eux de jouer dans un stade où s'est déroulée la Coupe du Monde en 2010, où même a été jouée la finale de la Coupe du Monde 2010. Donc je pense que c'est quand même une chance. C'est quand même une chance. Une bonne chance. Quelque part, je me dis, je les envie un peu encore. Ça me donne envie de remonter sur le terrain. Aujourd'hui, c'est Kazakhstan. Aujourd'hui, nous avons Kazakhstan. Demain, on joue contre Cosmos. Demain, ouais, demain dimanche, on joue aussi un autre match demain matin à 11h. Et puis ensuite, le coach a programmé un autre match, je crois, mercredi ou jeudi. Donc, étape par étape. Merci beaucoup. Autant de moments de pétanque. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon? On accélère là. Allez, dynamique, hop. Allez, encore. Ok. On revient sur place, pareil, on se chauffe, on s'étire juste avant de passer à son tour. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, j'accélère. Et je finis 60-70%. D'accord? Pim, je regarde devant, j'accélère. Allez, c'est parti. Allez. Hop, 3-4. C'est parti les gars. Étirez-vous avant. Ceux qui attendent, vous étirez pendant ce temps-là. Allez, on accélère. On commence à bouger, les gars. Allez, voilà, ok. Voilà, comme ça, vous êtes prêts à partir de suite. Ok, super. Attention à manger, les gars. Commencez à prendre la température, les gars. On revient en marchant. Bonjour. C'est la fin du match. Vos impressions par rapport au match qui vient de terminer? Écoutez, on est toujours dans une phase de préparation puisqu'on est en Afrique du Sud depuis un petit peu moins d'une semaine là maintenant. Donc effectivement, c'est un match, mais pour moi, c'est surtout un très bon entraînement. Donc c'est une façon de travailler physiquement et c'est une façon aussi de mettre des petites choses en place. Donc il y a une progression qui se voit au fur et à mesure des matchs, donc ça c'est une chose intéressante. Le score m'importe très peu. Ce que je veux voir, c'est ce que nous travaillons en entraînement, et ça, bon, comme je disais, il y a des choses qui se mettent en place. Mais on a constaté que l'équipe est rajeunie presque à 98%. Oui, écoutez, on s'est déplacé hier avec le président Kadji pour aller voir l'équipe nationale à Bloemfontein. Et effectivement,
lors du coup d'envoi, il y a 8 joueurs des Léopards de Dolisie. Donc on peut considérer que bon, la grande majorité des titulaires ne sont pas à ma disposition. Donc je travaille avec le groupe qui est à ma disposition, avec des jeunes de qualité, avec des nouveaux joueurs. Donc ils vont être amenés en cours de saison à intégrer le groupe. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce style de travail en préparation. Aujourd'hui c'est cadre qui ? KSF, et demain c'est quelle équipe ? Demain on joue les Black Aces. Donc ça va permettre à certains joueurs également d'avoir du temps de jeu. Donc on est complètement dans un objectif de préparation. Là on est en train de préparer le joueur, je dirais. On préparera l'équipe quand tout le monde sera à ma disposition, c'est-à-dire d'ici une petite semaine. Tu peux venir Ulrich maintenant, voilà. T'arrives Ulrich. Faut venir avant petit, c'est toi qui dois venir. Ulrich, viens. Ferme Patrick. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous reste à faire? On n'a pas fait grand-chose et il nous reste tout à faire. Donc voilà, c'est ma réponse. Un petit message à ton poulet et tes poulets. Comment vous les avez vus aujourd'hui par rapport aux deux matchs précédents? Non, ben c'est ça alors. Tu vois, la différence entre la percussion là ou la percussion ici, c'est tout. Là, il aurait même perdu le ballon. C'est pas grave, mais c'est le jeu derrière. Par rapport aux deux matchs précédents. Non, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. On est en phase de progression au niveau physique. C'est le plus important. Là, si on est venu en préparation ici, c'est justement pour être prêt physiquement le 9 février. Donc ça ne m'intéresse pas d'être prêt le 1er mars, mais ça ne m'intéresse pas non plus d'être prêt le 20 janvier. L'important, c'est d'être prêt le 9 février. Et bon, à ce niveau-là, il y a une ambiance de travail qui est excellente. Et bon, je n'ai qu'à me féliciter du comportement de tous les garçons. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bien. Allez. C'est bien, dis ça. C'est pas le monde, c'est là.
grand frère.